Cet épisode commence avec Soraya, qui est en train de discuter avec le chaman, et lui dit qu'elle aimerait qu'il lui donne les herbes dont elle a besoin. Le chaman lui dit que ces herbes sont létales, pour la personne qui la boira, et Soraya lui dit qu'elle est déjà au courant de cela. Il dit qu'elle devra vivre toute sa vie, avec ce qu'elle s'apprête à faire, et dit qu'il va faire selon sa volonté, et lui demande ce qu'elle a apporté pour cela. De son côté, les parents de Britney sont en train de discuter, pendant que Santiago et elle attendent à côté. Une fois terminé, ils se mettent tous à discuter, et son père n'est pas du tout emballé par leur relation, et la mère essaie de calmer la situation. Alors son père demande à parler sérieusement, et dit à sa fille qu'elle était déjà engagée avec Polo, et dit qu'il a donné sa bénédiction pour ce mariage. Il dit que si ce n'était pas sa mère, il l'aurait chassée de la maison. Britney lui dit qu'elle n'a jamais aimé Polo, et n'a pas eu le courage de refuser sa demande en mariage, parce que ce dernier l'a fait en public. Alors son frère arrive, et ils se mettent à discuter, et celui-ci en veut un peu plus à Santiago, et demande à sa sœur, si elle va réellement épouser ce fils de riche. Pendant ce temps, le chaman apporte les herbes à Soraya, et lui demande pour combien de personnes elle a besoin, et elle dit qu'il ne s'agit que d'une personne. Il dit qu'il va préparer les herbes, mais elle devrait d'abord payer, pour partir avec. De l'autre côté, Britney est en train de discuter avec son frère, et leur mère est toujours présente, pour essayer de calmer les choses. Santiago leur dit à tous, qu'il est désolé qu'ils prennent les choses de la sorte, et dit qu'il aime Britney, et dit que s'il est là, c'était pour officialiser leur relation, et lui dit que personne ne pourra les séparer, et veut s'en aller. Britney lui court après, et lui dit qu'elle l'avait prévenu, et dit que les membres de sa famille sont ainsi, et sont beaucoup conservateurs. Elle dit ensuite qu'elle lui dit cela, pour l'expliquer que cela ne sera pas facile, et qu'elle s'attendait à ce que ses parents ne soient pas d'accord. Elle dit ensuite que tout comme Mariana et Luis Alberto, ils sont de deux mondes différents, et doivent lutter pour leur amour. Santiago lui dit qu'elle a raison, et l'embrasse. Pendant ce temps, Victor va au bar du village, et rencontre l'homme qui a accompagné Soraya chez le chaman, et lui dit qu'il aimerait savoir ce que cette dernière est venue faire au village, et lui donne de l'argent pour ce service. L'homme récupère l'argent, et lui demande ce qu'il veut savoir, et Victor lui dit qu'il veut la totale, et veut tout savoir. De son côté, Guadalupe est avec Diego, et sont en train d'arranger la chambre de la petite Julieta. On frappe à la porte, et ils pensent tous qu'il s'agit du livreur de pizza, et Guadalupe leur dit qu'elle va aller ouvrir. Elle tombe sur la mère de la petite, et celle-ci lui dit qu'elle est venue chercher sa fille, et lui demande de faire ses affaires, pour qu'elle l'amène. Julieta dit qu'elle ne veut pas partir, et dit qu'elle veut rester avec son père. Diego lui dit que la petite peut rester, si elle le veut, mais celle-ci refuse, et dit que c'est à son tour de garder Julieta. Alors Julieta serre Guadalupe contre elle, et dit qu'elle ne veut pas partir. Sa mère lui dit qu'elle vient avec elle, et Guadalupe dit qu'ils peuvent s'entendre. Ramina lui dit qu'elle n'a pas à se mener des affaires de leur famille, et Guadalupe dit qu'elle a raison, et dit qu'elle va les laisser gérer leurs problèmes, et s'en va. De son côté, Mariana est avec Luis, et sont en train de voir un film. Puis, il lui dit qu'il aimerait qu'ils partent vivre ailleurs, une fois leur mariage passé. Mariana lui demande pourquoi il compte faire cela, alors que la maison est assez grande. Il dit qu'il s'entend enfin bien avec son père, et aimerait profiter d'elle tout seul, et qu'ils aient leur maison à eux. Mariana est contente, et trouve l'idée bonne. Pendant qu'il parlait, Mathilde est à côté d'eux, et est jalouse. Pendant ce temps, Diego est en train de discuter avec son ex, et celle-ci lui dit qu'elle s'en fout de ce qu'il fait avec sa nouvelle fiancée, et dit qu'elle s'en va avec sa fille. Diego lui dit que Guadalupe n'est pas sa fiancée, et dit qu'elle aime bien sa fille. Ramina lui dit que cela est normal, qu'elle aime bien sa fille, parce qu'elle est intéressée par son père,
et s'en va avec sa fille. De sa part, Guadalupe est en train de les écouter dans la chambre. Elle finit par renverser la lampe de la chambre de la petite, à cause de sa maladie, et Diego lui demande si tout va bien. Elle dit que tout va bien, et dit qu'elle est désolée pour la lampe, et décide de s'en aller. De son côté, Soraya revient vers sa voiture, pour récupérer la valise d'argent. Elle se rappelle alors du moment où le médecin lui a dit que Mariana est sa sœur, et est de plus en plus déterminée, à se débarrasser d'elle. De son côté, Guadalupe est chez elle, et est en train de faire du café, elle est prise de tremblements au bras, et jette la cuillère au sol. Elle est alors inquiète, et ne comprend rien à ce qui se passe. De son côté, le chaman demande à Soraya, pourquoi elle veut tuer quelqu'un. Elle dit que c'est pour une femme qui a pris l'amour de sa vie. Le chaman lui demande alors, si elle fait tout cela pour un problème de romance, et dit qu'elle peut encore se repentir. Elle dit qu'il n'y a pas que la romance, et dit que cette fille l'a aussi volé son père, et dit qu'elle ne peut pas pardonner cela, et dit ensuite qu'elle n'a pas l'intention de renoncer, et s'en va. De son côté, Mariana est en train de discuter, et de s'embrasser avec Luis Alberto, lorsque Daniela arrive, et lui dit qu'ils doivent parler du mariage. Don Alberto demande à assister, et celle-ci lui dit non. Alors, celui-ci demande à son fils de le suivre, et dit qu'ils vont également aller discuter des affaires d'hommes, et s'en vont. De son côté, Guadalupe est en train de lire dans sa chambre, et veut attraper un verre d'eau. Le verre glisse de ses mains, et se renverse. Elle est de plus en plus perdue, et reçoit un appel de Diego, qui est continuellement en train de s'excuser, pour ce qui s'est passé hier. Pendant qu'elle discutait avec lui, le téléphone tombe de ses mains, et elle décide de mettre fin à leur conversation, et dit à Diego qu'elle va l'appeler plus tard. De son côté, Soraya va voir Yolanda, et lui donne les herbes. Yolanda lui dit que cela va lui coûter cher, et lui dit qu'elle sait que cela n'est pas un problème pour elle, car elle a de l'argent. Elle lui demande alors de repasser dans quelques heures, et Soraya s'en va. Léon est en train de discuter avec Victor, et lui dit qu'il ne savait pas que Soraya pouvait faire cela. Il dit ensuite que c'est une bonne chose d'avoir ses photos, et dit qu'ils peuvent incriminer Soraya avec cela, si nécessaire. De l'autre côté, Mariana est avec Daniela, et lui dit qu'ils sont en train d'installer les caméras, pour éviter tout incident, et lui dit qu'elle va recevoir beaucoup de cadeaux, et dit qu'elle ne pourra même pas les utiliser tous. Mariana lui demande ce qu'elle va donc faire de tous ces cadeaux, et Daniela lui dit qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Mariana s'en va donc voir Luis Alberto, et lui dit que Daniela lui a dit qu'ils vont avoir beaucoup de cadeaux, et Luis lui dit que cela est normal, car la plupart des invités seront des milliardaires, et vont vouloir marquer le coup. Il dit ensuite qu'elle n'est pas obligée de tous les utiliser, et Mariana lui dit qu'elle a une meilleure idée pour ses cadeaux. De son côté, Léon va donc voir Soraya, et celle-ci lui dit qu'elle ne veut pas avoir de visite, et espère qu'il a une bonne nouvelle pour elle. Il lui dit qu'il vient lui mettre au parfum des événements récents, et dit qu'Elena a finalement cédé, et participe au mariage de son fils. Il dit ensuite qu'Elena est comme une seconde mère pour elle, et ne devrait pas lui faire cela. Soraya est en colère, et demande comment cette dernière a pu faire cela, et dit qu'elle sait quoi faire. De son côté, Mariana et Luis rencontrent Don Alberto, qui est en train de faire le sport. Luis lui dit qu'il ne devrait pas faire d'efforts de la sorte, et Don Alberto lui dit qu'il a déjà Daniela pour cela. Mariana lui dit qu'elle ne peut pas empêcher les invités de lui faire des cadeaux, et Don Alberto lui dit que cela est la tradition. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de ses cadeaux, et dit qu'elle aimerait que les invités fassent plutôt des dons à la paroisse du père, et dans son ancien quartier, et dit que cela la rendra plus heureuse. Don Alberto la prend dans ses bras, et dit qu'elle a un grand cœur, et dit ensuite qu'il va les contacter tous, pour soumettre l'idée. De son côté, Soraya rencontre Elena dans un café, et Elena lui dit qu'elle est heureuse de la voir. Elle dit ensuite qu'elle est désolée, pour ce qui s'est passé, et dit qu'elle est une femme forte, et va surmonter cela. Soraya lui demande comment elle a pu faire cela, et la trahir de la sorte, en prenant part à ce mariage, et dit qu'elle ne devrait pas baisser les bras de la sorte. Elena lui dit qu'il s'agit de son seul fils, et dit qu'elle n'a pas le choix. Elle dit ensuite qu'elle l'aime beaucoup, mais celle-ci devrait comprendre que son fils passe avant tout pour elle, et lui demande de bien assimiler cela.
De son côté, Santiago est avec sa mère et dit qu'il est en retard pour aller à l'usine. Daniela lui dit qu'elle a invité quelqu'un pour les aider dans les préparatifs du mariage et Brittany arrive et celui-ci dit qu'il est content de la voir et l'embrasse. Brittany se sent un peu gênée et Daniela lui dit qu'elle ne doit pas et dit qu'elle est heureuse pour eux. Santiago dit à sa mère de bien prendre soin de sa fiancée et s'en va. Une fois Santiago parti, Daniela dit à Brittany qu'elle est heureuse qu'elle soit avec son fils et Brittany est un peu étonnée de sa réaction. Puis, elle prend Brittany et lui dit qu'elles ont un mariage à préparer. De son côté, Felipe accompagne Patricia et elle lui dit qu'elle espère que Coco aura une réponse pour elle concernant le poste de chauffeur. Felipe n'est pas emballé par l'idée et dit qu'elle va lui donner ce travail parce qu'il est son mari. Patricia lui dit qu'ils ont un enfant qui viendra bientôt au monde et dit qu'il aura bientôt des dépenses supplémentaires à la maison et d'oublier ses principes et sa fierté et dit qu'ils ont vraiment besoin de ce travail. Il dit qu'elle a raison et dit qu'il va accepter. De son côté, Mariana est avec Brittany et sont en train de sélectionner une robe pour son mariage. Daniela salue une modèle et Brittany lui demande si elles se connaissent. Daniela lui dit qu'elle a été modèle comme elle, et Brittany est émerveillée par ce qu'elle vient de dire. Puis, elle se met à apprécier toutes les robes qui entrent, et Daniela lui dit qu'elle devra faire un choix, et Mariana finit par prendre celle du milieu. À l'entreprise, Coco va dire à Patricia qu'il y a un poste de chauffeur libre, et Patricia la remercie, et dit qu'elle va aller de ce pas, remplir les papiers. Une fois partie, Diego va voir Guadalupe et lui demande si tout va bien et lui fait un bisou et s'en va. Patricia arrive et demande à Guadalupe pourquoi elle est heureuse de la sorte. Elle dit qu'elle passe un bon moment et espère que rien ne pourra gâcher cela. Patricia lui dit qu'elle le mérite et s'en va. De son côté, la potion est prête et Yolanda demande à Soraya de faire attention et dit qu'elle ne devrait pas mettre plus d'une goutte pour qu'il n'y ait aucune trace dans l'organisme. Elle dit ensuite de ne donner qu'une goutte le matin, et pareil le soir. Une fois la robe terminée, Daniela dit qu'elles vont passer au maquillage, et dit qu'elles doivent trouver quelqu'un pour cela. Brittany lui dit que cela n'est pas nécessaire, et dit qu'elle s'en charge. Daniela lui dit qu'elle sait qu'elle a de bonnes intentions, et lui dit qu'il faut quelqu'un avec beaucoup d'expérience, et dit que cela est un événement de la haute classe. Entendant cela, Mariana et Brittany sont tristes et déçues de ce que vient de dire Daniela. De son côté, Léon essaie d'intoxiquer Elena et lui dit qu'elle ne devrait pas laisser la responsabilité de l'organisation du mariage de son fils dans les mains de Daniela et arrive à la faire penser autrement. Plus tard, Santiago finit le travail et rencontre Brittany et l'embrasse. Il se rend directement que quelque chose ne va pas et lui demande. Elle lui dit que sa mère a dit que son maquillage n'était pas de qualité et Santiago lui dit qu'elle a sûrement mal comprise et lui demande si sa mère a dit cela avec ses mots. Brittany lui dit non et dit que c'est ce qu'elle a compris. Santiago lui dit qu'elle a mal entendu et dit que sa mère et elle s'entendent bien et celle-ci la traite également mieux que ce que son père lui a fait. Il dit qu'il est désolé mais que c'est également sa famille. De son côté, Basra est en train de mener ses investigations et tombe à la conclusion que celui qui fait toutes ces choses est proche de l'entreprise, car celui qui a mis la bombe sur la voiture de Don Alberto a fini par se suicider. Uriel arrive et leur demande s'ils ont des informations sur le saboteur du concours, et ils disent non. Il demande si cela ne peut pas être Luis Alberto pour payer une dette de jeu, et Basra lui dit que Luis ne joue plus depuis qu'il est avec Mariana. Uriel leur demande si cela peut être Léon et Basra lui dit possible et dit que Léon est son propre chef et ne rend de compte à personne. Plus tard, Santiago va voir sa mère et elle lui demande son avis sur les billets d'invitation. Santiago ne lui répond pas et lui demande pourquoi elle a fait cela à Brittany et sa mère lui dit qu'il devrait la comprendre et dit que le maquillage de Brittany n'est pas sophistiqué pour ce genre d'événement. Elle dit que Brittany est une bonne fille, mais qu'elle devrait comprendre cela, et dit que lui également, car son amour pour elle ne devrait pas l'aveugler. Celui-ci se fâche, et s'en va. De son côté, Polo est en train de discuter avec Johnny, et il lui dit qu'il ne peut pas rivaliser avec Santiago.
Johnny lui demande de ne pas s'inquiéter et dit qu'il a un plan imbattable pour faire revenir sa sœur dans ses bras et lui demande de lui faire confiance. Chez les Salvatera, Daniela dit à son mari qu'elle aime bien Brittany et dit qu'elle ne veut pas entendre ce qu'elle dit par rapport à son maquillage et l'ampleur de l'événement et ne sait plus quoi faire. Don Alberto lui dit qu'elle devrait prendre les choses autrement et dit qu'il sait qu'elle est capable de gérer cela. Mathilde vient les voir et dit que le repas est servi. Alors, ils rejoignent Luis Alberto et Mariana à table et ceux-ci portent des toasts aux mariés et à l'amour. Daniela dit à Santiago qu'elle va tout faire pour que Brittany soit contente et celui-ci remercie sa mère. Alors Elena entre et dit qu'elle aimerait également organiser le mariage de son fils et veut prendre part à tout cela. Luis Alberto lui dit qu'elle est la bienvenue, si elle le veut, et Elena dit qu'ils vont bien s'amuser en préparant tout cela. De son côté, Mathilde vient voir Soraya et lui raconte ce qui s'est passé avec Elena à la résidence. Soraya lui dit que cela ne suffit pas et lui donne la potion et dit qu'elle doit donner une goutte le matin et une goutte le soir à Mariana et lui dit que cela va l'éloigner de Luis Alberto pour toujours. Mathilde dit qu'elle va le faire et dit que Soraya seule mérite être la seule Madame Salvatera. Pendant ce temps, Mariana est avec Luis Alberto et lui dit qu'elle n'aime pas les airs de sa mère, qui veut subitement organiser leur mariage. Luis la tire sur le lit et lui dit que sa mère n'est pas une femme méchante au fond et lui dit qu'elle finira par s'apercevoir et lui demande de la laisser faire. Mariana lui dit qu'elle le fait parce que c'est lui qui demande et il l'embrasse en lui disant merci. De son côté, Soraya s'en va voir Uriel et sont en train de discuter de travail. Puis, elle se rapproche de lui et dit qu'il devrait parler d'autre chose et ils se mettent à s'embrasser. Le lendemain matin, Mariana vient à la cuisine et dit à Mathilde qu'elle veut juste un café. Mathilde dit qu'elle va le faire et met la potion de Soraya à l'intérieur. Celle-ci lui donne le café et Mariana le boit sans savoir ce qu'il contient. Une fois informée de cela, Soraya est contente. C'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée, Les riches pleurent aussi. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a intéressé et à bientôt pour une nouvelle sur Oni TV.